Je suis occupé. Je dois décider quoi cuisiner. Ça pousse vite, ce truc. Bien, calculons l'itinéraire. Allez, on met le cap sur... Attends, tu veux aller sur Datomir ? Étrange que Cordova y soit allé. Il devait avoir une bonne raison. Une fois sur place, moi, je quitte pas le Mantis. Le soleil rouge, c'est très mauvais pour la peau. Ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la Force, appelées les Sœurs de la Nuit. Elles maniaient la Force ? Quoi, comme les Jedi ? Non. Elles servaient leurs propres intérêts. Leur pouvoir n'était que mensonge, illusion et manipulation. Ça me rappelle une vieille connaissance. Durant la guerre des clones, les Sœurs de la Nuit se sont alliées à un seigneur Sith qui les a trahis. Pour finir, elles ont presque toutes été massacrées. Datomir est un lieu dangereux. Soyons très prudents. Pas besoin de me le dire deux fois. Ah, on approche de notre destination funèbre. Assieds-toi, petit gars. Très prudent. Wow. Heureusement qu'on se trouvait pas là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'étonnerait qu'il soit du genre amical. Thank you.
Un slim ? T'as trouvé quoi ? Nos la lendenite ilori olie. Une sœur de la nuit qui pratique son art. Qu'on a trouvé ?
Qu'est-ce que c'est ? Impossible. Il m'en faut un. Thank you.
Lance-moi un signe, Bébé. Thank you.
Putain, Steam! Les échos étaient là. C'est étrange. Ce lieu semble abandonné, mais... Tu n'es pas le bienvenu, Jedi. Tu dois être une sœur de la nuit. Je vous croyais toutes disparues. Pas toutes. Tu n'as rien à faire sur Datomir. Va-t'en sur le champ. Oh, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ça, mais... Peut-être qu'on pourrait s'entraider. Je cherche... Attends, je suis pas un ennemi. Tes actions disent le contraire. Attends, je ne veux pas. Passez. Là, regardez. Un coup bien placé. Arrête de bouger. En avant. Tu veux pas gagner à manger. Il y a personne qui vient. Sérieux quoi. Mais par contre, ça va les combos que tu me fais, lui ? Putain, je suis déjà avec un quart de ma vie en moins, en trois coups. Un tiers, plutôt. Ça continue, je me foutre en mode histoire. Non, mais d'accord, ok, bichette, quoi. Mais mange ta race ! Steam ! Un Steam, envoie ! Je suis à moins de la moitié de ma vie, sérieusement. C'est l'étranger. Empêchez-le de bouger. Des coups sont faibles. Allez-y, approchez. C'est toi et moi. Par contre, quand je te demande de parer, mon gueule part, non ? Il n'est pas si fort.
Et ça t'a pas envie de le scanner quoi. Putain sérieux, le mode de difficulté il est fait à la pisse, j'ai juré. C'est un truc de malade ces conneries. Putain. Des frères de la nuit. Mes frères, un étranger. Je veux gagner, mes frères. Tu ne me vaincras pas. Vas-y, tire. Par contre, il met 40 ans pour faire la mise en parade, c'est sérieux. Putain, même Skyrim qui est un plus vieux jeu, il a été mieux fait quoi. Je vais regarder ça. L'histoire principale elle a l'air vachement bonne, mais le jeu, la difficulté elle a un peu mal foutue cette affaire. Tu vois, il met 40 ans à se foutre en parade. Je
J'ai besoin d'aide. Attention! Ou quand tu veux. Tomber sinon je te foutais un coup de pied, tu tombais. Non, c'était pas plus rapide, genre. Hey. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Quelque chose d'utile ? C'était pas des Jedi, mais ils ont des morceaux de manches de sabre laser. Ça choque personne, genre. Ils ont un truc pour modifier le sabre laser aussi dans Gavert. Qu'est-ce qu'il fout? Il l'aurait pas? Non. Il en a fait un double. Alors, je veux pas être méchant. Mais il n'y a pas d'explication sur pourquoi il fait ça et comment il le fait. Enfin, pour quelle raison il le fait. Y'a que moi que ça choque. Là par contre je vais en péter de la tronche. Je te le dis. Quelque chose a attiré quelqu'un ici. L'énergie venant des ruines.
Par contre, ça aurait été bien qu'il nous laisse choisir de pouvoir en faire un comme ça et un comme ça, par exemple. Enfin. Là, il vient de se couper la jambe. Tout va bien. Ah, voilà une amérante. Apparemment, tu as croisé la sœur de la nuit, mais... contrairement aux autres, tu es vivant. T'as les yeux jaunes, t'es ainsi, dégage. Oh, un sabre laser ? Non, 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 le cache pas. Voilà qui explique que tu as survécu. Dégage. Oh non, non, t'as rien à craindre. Je ne suis qu'un voyageur. Ouais, c'est ça, bien sûr. J'étudie la nature, de culture antique et de philosophes morts. Vous étudiez les sœurs de la nuit ? Oh, j'étudie beaucoup de choses. Mais oui, cette sœur de la nuit, oh, elle n'était qu'une enfant quand ce monde est entré en guerre. Elle a dû regarder toute sa famille périr. Que savez-vous à propos de ces ruines ? Oh, elles sont millénaires. La sœur de la nuit et ses frères guerriers ont été séduits par le pouvoir de ces ruines. Évite les ruines, ou tu connaîtras le même sort. Pour moi, il est pas net. C'est soit un ancien Jedi, soit un mec qui a basculé du côté obscur. Ni non, plus ni moins. Je peux pas sauter aussi haut. Ouais, c'est loin. Je suis sûr que je peux. Il ne semble pas prêt. Datomir est impitoyable. Ne reviens que quand tu seras prêt à affronter tous ces périls. Ouais, en bref, casse-toi, quoi. Tu vas me dire que ça sert à rien, la tyrolienne, là ? T'es sérieux, là ? Eh, y'a des Jedi qui font des chutes pires que toi, mon pote, hein, t'abuses un peu, là, par contre. Eh ben, on va s'en aller. C'est bien la peine que je vienne là, tiens. Tu peux me soigner ? Merci. C'était bien la peine que je passe là, tiens. Alors. D'accord. Ce combat était une erreur. Ah. C'est bien la peine que je vienne là, tiens.
pas trop tôt. Content de te revoir sain et sauf. J'ai bien failli ne pas m'en sortir. J'ai besoin d'un instant. J'ai rencontré une sœur de la nuit. Et alors ? Est-ce que ça va ? Ça va, mais elle n'apprécie clairement pas notre présence. Elle n'était pas seule. Les frères de la nuit ? Oui, je crois. Oh non ! Ils sont plusieurs ! Je n'en sais pas plus. Cordova disait que les frères de la nuit servaient les sorcières de Datomir. Tu as de la chance d'être en vie, Cal. Pitié, dites-moi qu'on part. C'est une option. On peut revenir plus tard si tu ne te sens pas prêt, Cal. Une seconde. Où aller ? C'est parti, direction Zepho. Tu sais, je retrouve les mêmes réflexes que quand j'ai obtenu ma licence avec mention à l'Académie spatiale de Latéron. J'ignorais qu'il y avait une académie à Latéron. Ah, pour sûr ! Elle venait d'ouvrir. Et puis, tu dois pas souvent aller par là-bas. Et sur quoi tu t'entraînais ? Sur tout ! Chasseurs, cargos de tout type et de toute taille, ça y allait. Je pouvais tourner en rond avec n'importe quoi. En cargo, tu tournais en rond ? Ouais, c'est à peu près tout ce qu'on me laissait faire. Mais j'étais un vrai prodige. Ah, si t'avais vu ça. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. Dis donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hey, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. J'ai passé quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Beau travail. On a réussi. On l'a fait. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes ? Mais à qui tu parles ? Là. Au vaisseau. Le Mantis. Joli nom, hein ? Ça impose. Je te dis ça, mais t'as sans doute jamais piloté de vaisseau. T'apprendrais peut-être un jour, quand t'auras fini tes trucs de Jedi. Je pourrais même te faire un prix, si tu veux. Doucement. T'as trouvé quelque chose, BD1 ? Reviens là. Chose là-dedans.
peux pas l'ouvrir. Fais attention, ils ont l'air dangereux. Cal, tu m'entends? Les impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. S'est servi de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Une boîte de Steam. Ici. Attends, tu peux en prendre plus ? Merci, Bélias.
Bien joué. Hein? Reviens là. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais les éloigner. Ce ne sont que des mensonges. L'Empire voulait seulement ses terres. Où est-ce que vous nous emmenez? Les impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ou pire encore.
Hey. T'as trouvé quelque chose, BD1? Je crois qu'on a un problème. Ah!
Merci, BDR. Être un des défauts. Je crois qu'on est sur la bonne voie, BD. L'air content. Myriana, veille sur notre Sienna. Médéen, par ici. Non, rien à faire. Tu ne sortiras pas vivant d'ici, Jedi. Tu ne mourras pas.
Serré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais. Il transporte les artefacts de Zepho sur Coruscant. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho? Peut-être. La Joie a été blessée, mais il a eu un Stormtrooper. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces bestioles à cornes? Les Vilak? Ils sont dangereux au contact, mais ils ont une mauvaise vue. Donc, si je reste à l'écart, je suis tranquille? Voilà, évite le contact. Évitez le contact, ouais, facile. Reviens là. Quelque chose d'utile? À la volonté de l'Empereur. Nous avons envahi Zepho et redistribué sa population. La planète n'a révélé aucune donnée ni relique utile au projet Forus. Des courants électromagnétiques ont rendu inutilisable la majorité de nos outils de forage. Pendant ce temps, de plus en plus de soldats sont victimes de la faune locale. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission ici. Je suggère que nous abandonnions le projet en ne laissant qu'un avant-poste symbolique afin d'empêcher les pilleurs de s'emparer de nos technologies. Quelque chose d'utile? Je suis blessé. C'était moins une.
J'ai quelque chose. Que savent-ils ? Pas un mot sur Cordova. L'Empire ignore sûrement qu'il est venu ici. Dans ce cas, nous avons l'avantage. Pour l'instant. Intéressant. Je crois qu'on approche. On ne peut pas passer.
Il y a une tempête droit devant. On dirait qu'elle a déréglé l'équipement de l'Empire. Je sens quelque chose qui m'a... Au-delà de la tempête. Suis cet appel. Laisse la force aiguiser tes instincts. D'accord. Je vais essayer. Ah, en voilà une autre. Elles sont peut-être reliées. Elles sont plutôt jolies. Jamais vu une telle tempête avant. Ouais, c'est incroyable. Mon ami, je pense qu'il s'agit là du site Zepho le plus ancien que j'ai vu. En dépit de mes réserves, je ne peux chasser le sanctuaire de Bogano de mon esprit. Ces visions ont façonné le destin de toute une civilisation. Je veux comprendre pourquoi. Je suis dans le tombeau. C'est immense. Et les impériaux ? Aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova ? Je sais pas ce que je suis censé trouver. Il est plutôt... excentrique ? À qui le dis-tu ? Il ne nous aurait pas conduits jusqu'ici pour s'amuser. Garde l'esprit ouvert. Est-ce que t'as vu ça? Ah.
Salut, Bélier. Hey, Bélier. Je place la sphère devant l'aération du milieu. Souffle dans ces carillons. Il y a des voix du passé.
Les Zephos s'en servaient pour la méditation. Ils formaient des utilisateurs de la Force. J'ai chaud.
laser ne peut pas tout résoudre. Merci, BD1. Se concentre. Un Jedi ne cherche pas la violence, mais à se dresser contre elle. La force est là pour nous protéger. Les obstacles sur la voie définissent la voie. Ce qui est sur ton chemin dessine ton chemin. Bien. Allez, réessaie. Bien, continue. Allez, plus vite. Termine le test. Pousse la balle avant qu'elle t'atteigne. Utilise la force pour pousser la balle vers la cible. Essaie encore. Concentre-toi sur la balle. Admire un peu les détails de cette écorce. Ces stries si distinctives, ça ne peut être qu'un arbre frochir de Kashyyyk. L'heure est venue de contacter un vieil ami. Si les Zephos étaient liés à Kashyyyk, il y a de fortes chances pour que le chef Darfoul soit au courant de tout ceci. Yeah.
Qu'est-ce que c'est ?
y avoir une autre sphère quelque part. Artefact en offrande au vent. Il semble avoir été détruit intentionnellement. J'ai réussi. Ce gardien a été détruit il y a longtemps. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est ? J'ai déjà vu une de ces sphères à l'entrée. C'est vrai, elle était en hauteur. On doit pouvoir la faire descendre. Il doit y avoir une autre sphère quelque part. Thank you.
tombeau est des plus fascinants. Hé, hey, on n'a pas déjà vu une de ces sphères à l'entrée? C'est vrai, elle était en hauteur. On doit pouvoir la faire descendre. Ça a été détruit intentionnellement. Je peux encore ressentir la haine. Il doit y avoir une autre sphère quelque part. Les infos sont venues sur Kashyyyk. Cordova a parlé d'un certain Tarful. Un chef Wookie. Ils étaient de vieux amis. Vous pensez qu'il est vivant? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous devons aller sur Kashyyyk. Ah,
Qu'est-ce que c'est que ça? Continuez à creuser. Je veux des artefacts rares, pas cette camelote. Ça ne bouge pas. Chef, vous permettez? C'est fermé. J'écoute, Stormtrooper. Avant d'être affecté ici, j'avais jamais entendu parler de Pearl Trooper. L'Impérial est venu ici pour cacher une relique. Il y a eu un éboulement. Elle a été littéralement prise au piège. Hein ?
Essaye un peu d'arrêter ça. Je te dis que des renforts vont arriver. De fouilles impériales. Ils sont allés bien plus loin que ce qu'on pensait. Il y a plus important pour l'instant. Les impériaux savent que tu es le Jedi de Braca. Ils recherchent le Mantis en ce moment même. Le Mantis peut pas bouger ? Démarrer le moteur serait trop risqué. Sa décharge d'énergie attirerait immédiatement leur attention. Je reviens aussi vite que possible. Merci, BD1. Cal, un marcheur nous tire dessus et nos armes sont à chef. C'est lui ? Dis-lui qu'il a un terrain... C'est lui ? Dis-lui qu'il a un terrain à se manier... Tenez bon, je suis en chemin. Joli boulot, ça, petit gars. Eh, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Ah. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre ? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Wow. Cordova a eu un ami Wookiee, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk ? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookiees. C'est de l'acharnement ! Alors il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors ? À propos de la Force ? Oui, de la Force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la Force ? Quand la purge a commencé, et que... nos clones s'en sont pris à nous, ma Padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps.
Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors... j'ai essayé de les éloigner de ma padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais... ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et... combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur... Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien.